Salut à tous, aujourd'hui une petite vidéo très rapide. Voilà, comme je vous l'ai présenté lors de mes dernières vidéos sur la R15 M5+, donc je débute dans le tir à l'arme longue. Donc pour l'instant j'ai engagé sur des distances de 100 mètres. Et donc en fait je me suis aperçu qu'il fallait une petite longue vue, ceci pour vérifier évidemment les impacts en cible. Et donc je m'en suis aperçu rapidement, hein, la première fois que je suis allé au stand. Donc j'ai pu me dépatouiller avec notamment un pote qui avait une petite jumelle de chantier qui nous a bien bien dépanné. Et puis après j'ai dit bah, tiens, il va falloir quand même acheter une petite longue-vue pour pouvoir visualiser les impacts en cible. Alors, la difficulté c'était que le calibre utilisé, le 223, est très petit, que les centres de cible sont souvent noirs, et la distance, donc j'ai dit on va sur les forums, on va sur internet, on va bien trouver des conseils pour pouvoir acheter une longue vue qui permette justement de voir très distinctement les impacts en cible à une distance de 100-200 mètres. Voilà. Donc quelle fut ma première surprise en voyant sur les forums que les matériels utilisés étaient des longues vues de marque et très onéreuses, hein, donc ça allait de plusieurs milliers d'euros. Donc je commençais un petit peu à paniquer. En lisant, en lisant, en lisant, on s'apercevait qu'on pouvait descendre en dessous des 1000 euros, 600, 700 euros. Donc déjà, c'était quand même des sommes relativement importantes. C'était un peu flippant. Et mon collègue, lui, qui s'était renseigné de son côté, m'a dit, écoute, t'inquiète pas, apparemment, avec un budget de 300 euros, on a de quoi faire le job. Bon, j'étais soulagé, mais bon, je me suis dit quand même, 300 euros, bon, enfin, bon, si on n'a pas le choix, il faudra qu'on fasse avec. Et dernièrement, je me suis donc rendu au club de tir et je suis tombé sur un jeune homme, un certain Quentin, s'il se reconnaît, s'il est de passage, qui avait une petite longue-vue très sympa. Et donc j'ai dit, tiens, est-ce que je peux regarder dedans? Il m'a dit, oui, bien sûr, vas-y. Donc j'ai regardé, j'ai dit, putain, ça fonctionne, le feu de Dieu, c'est vraiment ce qu'il me faut. J'ai dit, t'as payé ça combien? Il m'a dit, aux alentours de 100 euros. Alors là, j'étais assez scotché. Et je dois dire que ma surprise a été vraiment incroyable. Donc j'ai pris les références, etc. Et me voici retourné sur Internet pour essayer de chercher la même longue vue, en fait, au même prix. Et donc je tombe sur une longue vue qui ressemble comme deux gouttes d'eau, qui n'est pas exactement la même marque. Et au niveau du prix, elle est affichée à 69 euros. Alors là, je dis, bon, mais écoutez, qu'est-ce que je fais? On dirait que c'est la même. 69 euros, je ne prends pas beaucoup de risques. Donc je me suis lancé, je l'ai reçue. Donc elle est, vous la recevez dans une petite sacoche. Hein, donc là, je l'ai enlevée dans une petite sacoche de transport. Très sympa. Vous avez avec ceci un trépied qui est, bon, somme toute, très très basique. Vous voyez, un petit trépied, voilà, très basique avec la petite poignée. Alors, beaucoup également insistent sur le fait que le trépied, il faut quelque chose de super, de folie et compagnie. Donc, moi, au niveau du club de tir, on tire sur des tables de tir, des grosses tables en béton. Donc en fait, une fois qu'on a installé la longue-vue sur le côté, on n'utilise plus le trépied, il ne bouge plus. Donc en fait, ça sert à rien de mettre plus de. Ça, c'est un trépied qui doit coûter 3 euros, hein, ça sert à rien de mettre plus. Donc il est vendu avec. Il y a également un support pour mettre le téléphone portable, si vous voulez, que je n'ai pas là, mais bon, qui peut être aussi pratique si vous voulez filmer, hein, filmer à travers l'oculaire. Donc voici la longue-vue à proprement parler. Donc il s'agit, donc là on a un pare-soleil, on a un corps qui est vert avec un revêtement, on va dire, touché un petit peu caoutchouteux. Donc il s'agit, donc je ne vous cache pas plus longtemps, du modèle, donc je ne sais pas comment on dit, hein, honnêtement, moi je vais dire Suboni, hein, Suboni, donc waterproof, hein, donc c'est un modèle qui. Vous pouvez, si vous êtes un petit peu exposé à quelques gouttes d'eau, vous pouvez l'utiliser quand même. Donc les références, et notamment les grossissements de 25 à 75 par 70, qui correspondent donc 70 à l'ouverture
à l'ouverture. Hein. Donc, plus ce chiffre est important, plus vous avez de la lumière hein, qui rentre en fait. Donc, au niveau de l'oculaire, vous voyez un réglage donc de 25 à 75 en continu. Hein. Donc, voilà, il n'y a pas de position fixe. Hein. C'est toutes les positions intermédiaires. Là, vous allez peut-être diminuer le grossissement et là, vous allez l'augmenter. Donc, au niveau de l'oculaire, vous avez une petite corolle en caoutchouc que vous pouvez replier si vous avez des verres correcteurs, sans souci. Voilà, donc on en revient au niveau de la vis qui se situe sur le dessus de l'appareil, c'est la vis de focus. Donc vous braquez votre longue vue sur votre cible, vous ajustez le grossissement, vous faites votre focus et c'est terminé. Donc j'ai eu l'occasion de tester cette petite longue vue à 100 et à 200 mètres en calibre 223 dans le noir de la cible et je peux vous assurer que tous les impacts sont parfaitement visibles. J'ai testé le jour du test, c'était un jour où il n'y avait pas une luminosité, c'était pas un plein 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 soleil. Il ne faisait pas un ciel noir non plus, mais la luminosité était correcte. Donc, un jour de grand soleil, je pense que ça sera encore mieux. Mais bon, on ne va pas rentrer dans des grosses polémiques. C'est clair qu'on trouvera toujours peut-être dans certaines conditions où il n'y aura pas assez de lumière. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça fait le job. Donc, 69 euros. Donc, c'est la. Moi, j'appelle ça Suboni. Je ne sais pas comment on prononce autrement. Hein. Alors, c'est le modèle SV28, je crois. Donc, à retenir, hein, grossissement 25-75 par 70. Alors, pour information, le modèle que j'avais essayé du jeune tireur, c'était une 20-60 et ça faisait le job également. Donc, vous voyez, au niveau du grossissement, 20-60, c'est bon. Si vous arrivez à avoir 70, c'est un plus. Mais je crois que 20-60 par 60, ça fait le job. Donc tout ça pour vous dire que 69 balles, ça fait le travail. Il n'y a pas besoin de mettre plus. Alors oui, si vous êtes amateur, si vous faites de l'ornithologie, etc., etc., là, vous aurez peut-être, vous allez me dire, oui, le rendu des couleurs, le ci, le là. OK. Moi, c'est juste pour avoir des petits trous dans une feuille de papier. Donc, j'ai pas envie d'investir beaucoup d'argent là-dessus. Je préfère mettre de l'argent dans d'autres accessoires, dans des cartouches, dans n'importe quoi, plutôt que dans une longue vue que finalement, une fois que je l'ai posée sur la table, qui me sert, on va dire, entre guillemets, à rien, hein, parce que dans l'absolu, après mon tir, je pourrais très bien aller en cible pour vérifier mes impacts. Donc, c'est vraiment un accessoire de confort, mais ça sert à rien d'y mettre beaucoup. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ne vous privez pas. Alors j'ai entendu dire, enfin, certaines personnes m'ont dit oui, mais bon, il paraît que des fois, il y en a beaucoup qui reçoivent ces longues vues, elles ne fonctionnent pas, parce qu'il y a des problèmes de lentilles, etc. Bon, ben, écoutez, celle-ci fonctionne parfaitement. Si elle n'avait pas fonctionné, je l'aurais renvoyée, sachant que pour ma part, je suis passé par Amazon. Donc, on sait très bien que si le produit n'avait pas convenu, je le renvoyais, j'étais remboursé immédiatement, il n'y a pas de souci, j'ai pris aucun risque. Hein, donc, franchement, vous pouvez même le prendre, l'essayer, si vous ne convient pas, le renvoyer. Donc, vous prenez aucun risque, 69 euros, on est très loin des 300, 400, 500, 600, 1000, 2000 ou 3000 euros. Alors, évidemment, le modèle à 2000 euros, il y aura certainement des options supplémentaires, je n'en doute pas. Mais pour voir des petits trous dans une feuille en papier, je pense que si ça fait le job, le modèle à 2000 le fera également. Mais bon, vous vous sentirez un petit peu plus léger. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite pour la suite et passez une bonne journée. Bye bye.